Démarré depuis lundi 19 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, l'examen du baccalauréat session de juin 2023 a connu son épilogue dans la soirée de ce mercredi 21 juin 2023 dans tous les centres prévus pour les compositions. À la sortie, des sentiments de joie se faisaient remarquer dans le rang des candidats. Quelques-uns font part de leurs impressions. Les épreuves sont un peu cassées, bon, mais on a essayé de faire notre mieux. On a essayé de faire notre mieux, mais c'est cassé, mais on a essayé de faire notre mieux quand même. Ce n'est pas les épreuves d'université qui nous ont amenés, c'est simplement les choses qu'on nous a enseignées en classe qu'on nous a amenées. Donc, et on a essayé de faire notre mieux. La composition, on a vraiment espéré beaucoup de choses, mais ce qu'on espérait, ce n'était vraiment pas ce qu'on a vu. Mais nous remercions Dieu pour le mieux. Nous prions nos enseignants et nos professeurs de nous voir un peu dans la correction, en fait. C'est facile. Hein. Les matériels, on s'est même donné, et puis on a tout fait, et puis on a fait ce qu'on peut faire. Mais comptabilité et maths, là, ça n'a pas été facile. Ils n'ont qu'à revoir. Pendant les corrections, ils n'ont qu'à revoir. Ils n'ont pas trop sérieux les corrections. Parce qu'on veut la majorité. On veut la majorité. Bon, je ne peux pas dire que c'est pas mal. Mais ils ont dosé l'épreuve. Nous sommes leurs enfants. Ce qu'ils devront faire là, ils devront nous faciliter la tâche. Mais c'est pas mal. C'est eux-mêmes qui vont juger avec nos niveaux là. Ils vont regarder dedans pour nous aider. Seulement. C'est pas mal, je rends grâce à Dieu. Bon, j'ai fait de mon mieux, sinon tout va bien. Bon, je prie Dieu de veiller sur les correcteurs, que les correcteurs aussi fassent de leur mieux, qu'ils agissent comme cela se doit. Et qui veille sur ce que nous avons fait. Regarde comment il faut corriger, de ne pas trop agir comme cela se doit, de regarder. Bon, tout au long de la composition, nous avons essayé de nous y donner. Les épreuves étaient abordables, mais à la fin, chacun sait ce que ça va donner. J'invite les correcteurs à ne pas serrer les copies. Et de comprendre la souffrance des élèves aussi. Nous avons appris, nous sommes venus ici, nous avons trouvé des difficultés, mais nous avons essayé et nous avons fait le nécessaire. C'était abondant. On a terminé par le cours de philosophie. Le bac de cette année était abordable. Bon, les épreuves étaient abordables, tout s'est passé correctement. Chers correcteurs, soyez large, concentrez-vous et corrigez nos copies correctement. On a besoin de ce bac. Contente. Bon, je souhaite qu'il ne soit pas trop dur avec nous lors des corrections. Comme il le fallait. Tu sais, les épreuves étaient pas mal. Oui, c'était bien. Les compositions se sont bien passées durant ces 3 jours, rassure le chef centre du complexe scolaire La Rosette. Le bac, ici, au centre de La Rosette de Porte-Nouveau, s'est passé correctement. C'est passé sans difficulté. Ça s'est passé avec beaucoup, beaucoup de réussite. Je dirais que les horaires ont été réellement respectés. Les candidats étaient sérieux dans les salles. Les surveillants de salle ont eu des consignes fermes et tout s'est passé dans une bonne ambiance de sécurité. Nous avions constaté que les parents étaient toujours pratiquement au portail. Bien, le bac vient de finir. Ils vont voir les enfants à nouveau. Le stress était grand. Bon, nous, on ne s'est pas approprié des épreuves, mais nous avions constaté que les enfants étaient contents, joyeux. Sûrement qu'ils ont fait de belles productions pour une réussite certaine. Nous prions Dieu que les résultats du bac 2023 soient des résultats honorables au complexe scolaire La Rosette et partout sur l'étendue du territoire pour révéler, témoigner les efforts consentis par les enseignants. Nous disons merci à tous ces enseignants qui se sont déployés pour abattre le programme et envoyer les enfants dans les classes d'examen
dans la sérénité et dans la sécurité. Rappelons qu'à la suite de cette phase écrite, il va s'en suivre la phase de correction et seuls les candidats admissibles après délibération pourront affronter les épreuves sportives puis orales.